Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, monsieur le directeur de la coopération du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, monsieur Morion, CEO de la CIS, monsieur le country manager de CNA et monsieur le directeur global Afrique de CNA. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'est une journée très spéciale pour nous. Nous accueillons parmi nous une entreprise qui nous coûte cher et qui est de renommée au niveau national et au niveau international. C'est aussi une entreprise qui est considérée comme le meilleur employeur dans le domaine de la restauration en Mauritanie. Elle emploie un peu plus de 3000 personnes, ce qui est quelque chose de considérable. Cette entreprise a approcher notre école, notre jeune école, pour mettre en place l'initiative vient d'eux, ce qui est déjà à saluer. Ils nous ont approché il y a quelques mois et aujourd'hui on est en train de mettre en place un partenariat qui est certainement, j'en suis persuadé, va être un partenariat fructueux. C'est aussi quelque part une relation entre nos deux nations, la France et la Mauritanie, la grande amitié qui a toujours été préservée, que ce soit en Mauritanie ou que ce soit en France. Nous voyons aujourd'hui un de ces fruits qui va se mettre en place et que nous comptons beaucoup sur les échanges qui vont être établis entre nous et la CNA. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous invite à découvrir ce que nous allons mettre en place à travers la parole de M. Lyon, le CEO de la CIS. Donc je vous demande de l'applaudir fort. Merci Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur de la Coopération, Mesdames, Messieurs les représentants de Kinross, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités. Tout d'abord, Monsieur le Directeur Général, merci. Merci pour votre accueil, pour cet accueil fraternel, chaleureux que nous avons pu découvrir avec vous, mais surtout bravo. Bravo pour cette réalisation qui est le fruit de la haute vision du chef de l'État. Et avec votre équipe, vous avez tout mis en œuvre pour, ça y est, on peut le dire, c'est fait. Une promesse avait été dite, elle est tenue et c'est le fruit de votre travail à tous. Quelques mots sur CIS, nous sommes présents en Mauritanie depuis maintenant 12 ans. Nous sommes fiers de servir la société Kinross sur l'ensemble de ses sites, à la fois à travers des opérations de restauration, des opérations d'hôtellerie, des opérations de facilities management et de supply chain. Je tiens ici, devant vous tous, à remercier notre client. Plus qu'un client, nous souhaitons, au-delà d'être un fournisseur, être un vrai partenaire. Durant ces 12 années, nous n'avons cessé de consolider notre relation. Nous n'avons cessé de rechercher l'excellence, mais grâce surtout au développement de nos employés. C'est plus de 600 employés aujourd'hui en Mauritanie. C'est un taux d'intégration qui avoisine les 100% puisque 97% des emplois sont nationaux. L'ancienneté moyenne de nos équipes, ça fait 12 ans que nous sommes là, est de près de 9 ans. Autant vous dire que nos employés se sentent bien. Vous disiez, monsieur le directeur général, ils sont bien payés. Mais chez nous aussi. Vous disiez, monsieur le directeur général, il faut les former. Chez nous aussi. Et je tiens à remercier tous nos employés mauritaniens qui, tous les jours, sont au service de nos clients, puisque nous avons plusieurs sites à gérer, et nous sommes très fiers de ce qu'ils réalisent. C'est dans cette continuité, ma foi, que nous avons souhaité, comme vous le précisiez, monsieur le directeur général, nous rapprocher de votre projet, de votre école. Cette continuité dans le cadre d'un partenariat où nous mettrons en place différentes choses. Plusieurs sujets sont à l'étude. Mais je voudrais, avant toute chose, durant la visite, vous m'avez fait part, nous parlions ensemble de produits informatiques, nous parlions ensemble
parfois de nécessité de digitaliser et qu'il fallait des tablettes pour cela. Ce n'était pas prévu, mais mon cœur a flanché. Je vous annonce que dans les 15 jours qui viennent, vous aurez une livraison de 20 tablettes, toutes neuves, pour l'ensemble des étudiants. Le premier point, c'est un programme de stage et d'alternance offrant une immersion professionnelle, réelle aux étudiants, dans nos opérations, en Mauritanie, y compris la base vie, bien sûr, de la mine de Tasiast et la Guesthouse que nous gérons pour Kinross également à Nouakchott. Mais c'est aussi un soutien financier. Nous envisageons d'apporter notre concours sur un certain nombre de formations pour les étudiants de l'EHT dans des établissements renommés en France, des partenariats. Nous souhaitons offrir une expérience internationale à vos étudiants. Nous définirons ensemble les modalités, mais également le choix et l'approche à mettre en œuvre sous votre haut patronat. C'est aussi un programme d'échange de personnel, comme vous le disiez, qui favorisera le savoir-faire de vos équipes, de nos cadres. Nous participerons à vos côtés à la création d'un certain nombre de modules. Je vous parlais de savoir-faire aussi dans nos métiers en matière de digitalisation. Nous mettrons à disposition de votre école nos expertises en la matière. Mais je tiens à dire, et sans vouloir être trop long, monsieur le directeur général, que tout cela dépasse les simples frontières d'un accord. C'est un engagement pour un avenir meilleur, une empreinte de succès partagé et de progrès continu. Nous souhaitons apporter notre humble concours à cette démarche qui a été initiée par la vision du chef de l'État, mais également par l'ensemble de vos équipes aujourd'hui. C'est aussi le reflet de l'amitié historique entre deux pays, la France et la Mauritanie. Je fonde un vœu. Ensemble, faisons que ce partenariat soit, certes, un modèle de réussite, d'inspiration, non seulement pour nous, mais surtout pour les générations à venir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance, votre engagement, et je vous souhaite à tous un merveilleux repas sous le talent de nos élèves.